Allez, on se donne 2000%. Lame de Doran, oui. Oh, j'aurais dit aller aux chiottes. Ce fut ses premiers mots. Tranquille, de la game. J'espère qu'elle sera pas sur YouTube. Tiens, je vais regarder une petite game de Gob GG sur YouTube. Faut que j'aille aux chiottes, hein. C'est quoi ce streamer? J'anime comme je peux, ok. Le retour de discussion entre Bitel et Magla. Mec, ça me fume tellement nos sessions. Les viewers hier, ils me voyaient en train de full tryhard et ils devaient entendre des mecs t'as ramené le bois pour le feu ce midi. Les games de Valheim n'ont aucun sens, c'est incroyable. Tu pourras dire que j'ai un pote Grandmaster. Oh là 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 là. Enfin, à l'époque, tu pouvais dire que j'étais challenger, c'était pas mal. Tu joues debout. En tout cas, je joue pas assis. C'est tout ce que tu sauras. À toi de deviner après. Lame de Doran, on peut. Oh, non, je suis trop excité. Je suis trop excité. Je vais turbo int. Oh, ça fait un moment que je suis pas allé vers le Grandmaster. Tout ça pour me prendre une bonne diff et dire ouais, tant pis, pas de chance. T'étais qu'une merde à l'avant. J'étais une merde, mais pas sur LoL. Du coup, ça va. Tu joues en lévitation. Ouais. Non. Bon. Level. Elle joue point d'immortel. Donc level 1, start Z, normalement. Donc je peux mettre mon petit A. Sinon, je prends pas de sort et j'attends voir si elle start au E, peut-être. Yvern PC me gank. Ah bah. Pourquoi il s'en va lui? J'allais dire il start ou du coup le Yvern, mais c'est vrai que je suis con. Ok, start au Z. Voilà, un petit peu grid quand même. C'était vraiment la dernière. Le trade était bon, genre à partir des deux auto-attaques avec le shield c'était bien, et puis après elle a fail. Elle doit pas faire ce genre de trade. Là elle a pas de Z, elle le sait, donc elle perd les deux CS. Yvern peut venir top très rapidement. Elle sera level 2 avant moi. Du coup j'essaie juste de récupérer les CS vite fait avant. Et on va le farmer au A celui-là. Faut que je stack ma pointe élémentaire. Ah, je vais pas trop regarder le chat mais je dis ça, je vais regarder toutes les deux secondes. Oh putain, j'avais chance d'avoir bien bait, mais ça c'est une belle range. J'ai un tout petit peu peur de mon placement. Non, ça va, le Yvern. Nice, c'est un bon trade pour moi. Dommage, j'ai fait un cancel d'auto. Ouais. Il mettait bien le... Il mettait bien le... La petite dernière auto. Attention, son jump revient plus vite que moi. Et elle a les cookies qui sont très forts. Oh, jure, ça a touché. Alors ça, c'est très mauvais. Heureusement qu'il n'y a pas Yvern top. J'étais pas prêt pour ce move. Je vais pas mentir. Didn't expect this. Bon, utilisez tous ces cookies. C'est fort les cookies, c'est grave les cookies. 21 à 21, on est bon. On a un peu fail notre early game, mais elle aussi. Ah non, mais elle avait plus son A de stacker, enfin c'était bizarre. C'était bizarre ce qu'elle a voulu nous présenter la madame. Tu sais, même le mec a ping, je sais pas c'est qui a ping dans mon équipe, mais il a dû se dire Nani, c'est pas ce qu'au top. Ok, mon Kha'Zix back. Longsword. Ou Rush Tabi. Rush Tabi peut-être. Bon, là le brillance, advantage solide. Lane slow push. J'ai pas téléporte sur la wave parce que... Ah, si le Yvern est là...
I'm gonna die. J'essaie de voir un tout petit peu plus loin, mais j'ai peur, le event doit être topside. En tout cas, c'est un bon timing pour être topside. Parce qu'il va passer 6. Ok, freeze pas. On recule. Non, 38, 38. Toujours pas d'infos sur les Ivern. Il a pris des bots, hein. Il veut gank, gank, gank. Et elle passe 6, voilà. Là, c'est le moment où... Show some respect. Tu es aveugle ou le Ivern... Ah, ok, les bots. Je me disais, au bout d'un moment... C'est bien ce que j'arrive à faire. J'arrive à bien tempo. 5-0. Oh non. Let's go. Let's go. Fallait être patient. Elle allait craquer avec son ultimate. Elle a eu raison, hein, c'est chiant, mais c'est à moi qui ai l'avantage sur ce timing là. Alors pour respect la transfo, même si elle a touché son E, on n'a pas le temps de prendre la plaque. Backfast. 7-0, on a le first Drake. Ils ont une compo à ultra scaling quand même, mais... Oh le stuff, oh le stuff. On est bien, on est bien, on est bien. Merci Célus pour les 37 mois. Voilà, on a tout le monde de fait. Et en plus le support est à 0-0-4, c'est le moment où il n'y a pas les kills sur le support, c'est pas le bordel. Est-ce que le R de Camille compte comme un mur? Non. Non, non, non. On en a parlé hier. Il a le match-up de toute façon. J'adore quand il y en a un qui est en mode full rageux. J'adore mon chat. Ok, top peut-être. Enfin, il a pas d'ult avec sa Camille, donc je peux m'escape. Et au pire, j'ai le flash. Mais c'est vrai que... Oh bah, t'es parti. Quelqu'un peut me le ramener? Champion de merde. Oh! Mais pourquoi elle a turn? Mais le Galio, il s'est pas appuyé sur la touche magique ou... J'ai pas compris le Galio. Genre, il m'a full ping... Enfin, full ping. J'ai pas compris. Ah, la flash en tout cas. Genre pour moi, il mettait son ultimate et c'était bon, mais il restait dans le bush. Il devait y avoir une pink, mais j'en utilise ton ult, on s'en fout. Ça aurait pu mal se passer si j'étais pas dedans en vrai, mais son call était... Il vient de top. Ouais, il faut que mon jungle soit top là. Ah c'était ultra chelou. Bah on prend la tour, on prend la tour. On prend la tour. C'est une tour là. Ça c'est un tour. T'as le héros de la faille, on peut prendre la tourelle top. C'est quand même pas trop mal. Ça te libère rapidement des wards. Comme il veut. Clairement le meilleur que Gnar en fait. Mais toujours plus. 3 plaques tout seul, en vrai ça c'est bien. J'aime bien les solo gold. Jump qui sert à rien, mais jump qui est magnon. On va avoir de la CDR et damage. Oh merde. Alors là par contre. Ok, j'ai eu peur. Ça va loin, Camille. Oh ouais. Was it the plaque of the throw? Thank you.
Elle est gourmande. Elle est gourmande. J'avais encore le flash en vrai. J'avais encore le flash au pire des cas, mais... Je me régale. Ah là, la game, mec, c'est... Ah, c'est une Camille qui respecte pas, là. Bon, là, non, moi non plus, mais... C'est pas mal, là. 4 plaques. Après, j'ai le match-up, hein. J'adore mon chat. Mais j'ai le match-up, donc c'est normal que je lui mette 40 CS et 4 plaques en même temps. Je veux dire... Bon, au bout d'un moment, si je ne vole pas un match-up comme ça... Attends, je prends les damage en fait. C'est trop chiant de partir avec Stronghold, mais je préfère garder ma pink que d'acheter des HP là. Elle a perdu le raid peut-être au moment où elle a die, je sais pas. À 0,8, elle a raison de tenter. Ouais, en vrai, elle peut tenter. Après, si t'as un 1 pour 1, ça aurait pas été hyper value, tu vois. Mais oui, à la limite, tu peux tenter. Peut-être que dans sa tête, ça passait bien mieux, mais. Ça m'arrive aussi des fois de croire dans ma tête qu'il y a des moves qui passent bien. Mais... Et non. Oh merde, ça fait 0 damage. Je voulais aller un peu plus vite sur le push. J'ai cru qu'elle avait acheté des pings. J'ai fait, bon, t'es déjà assez pauvre, mais. J'ai vraiment cru qu'elle allait y aller encore une fois. La petite gourmande. Bon, vraiment me prendre son Z, c'est le dernier des problèmes. Trop tôt. Trop tôt. Trop tôt, j'étais pas encore en full dive. Elle panique. Bon, y'a une Tristana qui prend des kills. Ok, c'est une composition à décentrique de fou, mais. Je pense que ça va le faire. Ça dégoûte Gnar un peu. Bon, alors après. Oh, j'ai le match-up, mais y'a troll. On a les deux Drake. Avec 600 gold. C'est pas mal, là. C'est pas mal. Tristana commence à être fed. Juste jouez pas contre elle et on a gagné la game. On est pas mal. 2600 gold. 13 minutes de jeu. On a un bon farm. On est devant en XP, je crois. Votre équipe a détruit... Ça fait pas horrible. Ça fait pas 15. Ah, n'en sois pas si sûr. Hein. En vrai, vu leur compo, j'ai presque... Enfin, je serais à leur place. Je continuerai d'y croire parce que... Ils ont une compo... Très chiante et ils font que de int la Tristana. On va la tryhard en tout cas pour pas avoir de vrais problèmes. Pourquoi il se repère sur Gnar? Il a tout, l'item. Des damage, de la vitesse de déplacement, du last hitting plus simple et un petit dash avec un slow qui te permet d'aller chercher les adversaires. 3 level advantage, c'est pas mal. Non, avant de go sur la Tristana, je vais attendre d'avoir le Sterak, je pense, hein, si je peux. Ça serait pas mal. Mais il y a une Tristana fed et c'est une Tristana centrique leur compo, clairement. Il y a que elle qui doit jouer.
On a eu les deux héros de la faille, on a eu les deux premiers Drake. Drake, d'ailleurs, dans 2 minutes. Tu vois, le petit Lastil, j'aurais pas pu l'avoir sur l'item, mine de rien. C'est toujours ça à prendre. C'est tellement instantané. Peut-être pas d'ulti. Parce que je vais avoir ma transfo avant de récupérer mon ult. Et le problème c'est que s'il y a un fight, je vais être en instant de regret. Voilà. Tu vois quand c'est pas la stit, l'item. Bon ça va, on a pris l'inhib. Ouais tu vois, il va y avoir le fight. Et j'ai pas l'ulti. Et j'ai pas l'ulti. Cold it. J'aurais pu faire un flash ult là. Bon, en tout cas, ça va. Ça reste un bon move. Mais forcez pas là. Ça reste un bon move. On leur pique leur jungle et tout. Je chier. Je pensais que j'étais encore en Vega Gnar au moment où j'allais pouvoir piquer mon jump. Ah, vas-y, go recall. J'ai l'item. C'était pas bon de prendre juste prendre la T2 top. En fait, je veux pas prendre de risque et j'avais peur que ma team perde. Du coup, j'ai voulu appliquer une petite pression également en passant par là. Tant pis pour le farm. Il y a un moment donné où si j'ai déjà un bon farming, on va être là pour le troisième Drake, trop important. Ah, non, pas créer d'erreur. On devrait pouvoir être bien. Tant pis pour l'inter top, hein. Le Drake est trop value là. Ok, nice. Je crois qu'ils ont tilt le Ivern étant slash dance derrière moi en fait. C'est pour ça que je me suis dit. J'ai juste à forcer les mecs qui tryhard. Et c'est la Tristana. On est good. Ils ont open. Oh, let's go. Bon, c'est pas un réel open, mais. Pourquoi notre team est pas venu avec nous? Genre, on avait fini la game. Voilà, on l'a eu. Elle attend pas pendant trop longtemps. Ah, elle était bien cette game. Elle était propre. Bon, pas pour eux, mais bon. Tu viens de faire la blague Rel Open. Quoi? J'ai rien compris. Bien joué, team. J'ai pas vu la game, mais... Normalement... On doit être bon, hein. Je crois que c'est 215. Après, j'espère que ça suffira jusqu'à demain. Zéro winning lane. Ouais, après, t'as pas servi, mais bon. Un real open. Ah, ok, un real open. Ah. C'est pas un real open. Ah, ok, non, ouais. Non, ouais. Ok, my bad. Ah, la Tristana, tu vois, elle aurait pu faire peur, hein. Elle aurait pu faire peur. Oh, c'est du grand master. Grand master la saison d'avant. Ça joue Camille comme ça. Oui. Ah, mon Gnar, il est propre, mon Gnar. Il y a encore des gros fails, évidemment, mais... Mais il est propre. Et... Ok. Ah, j'avoue qu'un 19 m'aurait mis large à l'aise. Un 19 m'aurait mis archi à l'aise. J'espère que ça passera. On verra bien demain. Ça se trouve, ça va être la défaite avec les moins 8 LP, là, qui... qui va être compliquée.